Alors, concernant les relations avec la communauté franco-turque, alors j'ai souvent dit à un certain nombre de mon représentants, moi je raisonne en termes citoyens. Et finalement, dans nos territoires, au niveau de notre ville, vous êtes des citoyens parmi d'autres dans ces territoires de Cogéno. Donc à partir de là, bien sûr, il doit y avoir une reconnaissance en fonction de votre implication dans la vie de cette commune, je dirais comme tout à chacun. Et puis il y a parfois, pour ce qui est du volet économique, des spécificités qui demandent à ce qu'on puisse vous accompagner, vous guider, vous aider dans vos démarches, et que, parce que je crois que c'est un grand jeu pour les politiques, de faciliter finalement ce vivre ensemble pour que vous puissiez apporter à la fois vos compétences et vos trajectoires et finalement l'ensemble de cette richesse, vous qui avez une culture qui est souvent assez multiple. Et à ce titre-là, voilà comment moi, pour ma part, je raisonne. Un certain nombre d'entre vous sont dans la salle. Moi, je veux justement éviter que l'on parle trop de manière étanche de communauté, mais plutôt ce que chacun peut apporter dans une vie citoyenne. Et à ce titre-là, par contre, que vous soyez parfaitement reconnu comme tout à chacun. Je note tout de même que sur la valeur travail, vous êtes particulièrement actif, intéressé. Je crois que c'est une valeur qui permet aussi de s'intégrer, de s'assimiler dans un territoire. Et puis, très souvent, je vous vois actif aussi dans le milieu associatif pour essayer d'animer nos quartiers. Et à ce titre-là, il doit y avoir ce retour des choses. Votre implication également dans la vie politique. J'ai noté que de plus en plus, il y a un intérêt à la chose publique. Et cela doit être également encouragé. On doit être à cette